Tortue ninja. Un jour, vous décidez de faire des gosses, et puis quelques années plus tard, pouf pouf, sans vous en apercevoir, vous avez un fan des Tortues Ninja à la maison. Je peux faire une photo de Tortues Ninja. Une photo de Tortues Ninja. Donc le challenge toy photographie du jour, recréer l'affiche des Tortues Ninja, le film de 1990. Dit comme ça, ça paraît easy, mais en fait, c'est pas si facile. Bon, déjà sur leur affiche, clairement, on voit qu'ils utilisent une plaque d'égout beaucoup trop grande. Bon, moi, je pourrais éventuellement fabriquer la mienne, mais alors avec quoi là? Avec un couvercle de pot de confiture. N'importe quoi. Ah, mais si, attends. First things first, I'm a craftsman. J'ai passé une couche de mélange texturé dessus. Deux couches de peinture, une noire, une deuxième couche métallique. Je mange le reste de la confiture. Maintenant, je brosse avec de la peinture plus claire pour apporter du relief. Tadam ! C'est maintenant que ça se corse, il va falloir que je réussisse à fixer les quatre têtes dans la petite bouche d'égout. Et pour parvenir à les caler sans devenir zinzin, mon meilleur ami, la tête à fixe. Bon, là, ça a l'air pas complètement nul. Maintenant, il faut installer correctement les lumières. Aziz, lumière ! Maintenant que les lights sont installés, il n'y a plus qu'à shooter. Surtout, bougez pas parce que j'ai mis 5 ans à vous installer. We know it's a camera flash. Petit tour sur le logiciel d'édition de photos. Premièrement, je modifie un petit peu la chaleur de la photo qui était très très bleue quand même par rapport à l'affiche originale. Ensuite, je place une photo d'une rue de New York, je la rends complètement floue. Je redonne un petit coup de lumière sur la tête des tortues. Enfin, on rajoute le logo des Tortues Ninja. Bon, là j'ai mis celui du dessin animé parce que franchement il est beaucoup plus stylé que celui du film. Et voilà, on a notre fausse affiche de film. Alors regarde ta petite photo Tortue Ninja, elle est pas mal, non? Tu aurais pu placer Raphaël quand même correctement. Oh ouais, bah bon, bah écoute, ça part sur Instagram, hein, c'est comme ça. Je vous rappelle que ce sera posté sur le compte Instagram de French Toy Love et que si je n'atteins pas les 1000 likes d'ici demain, j'arrête Pop Life. Bah c'est pas grave, moi je suis en train pour se remplacer.